Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un gisement du Cuisien, donc de l'état giprésien. Et donc, comme vous pouvez voir ici, il y a les sables en haut. C'est les sables qu'on va devoir chercher. Donc, là, j'ai déjà monté, je suis un peu crevé. J'ai encore tout ça à monter, donc je vais essayer d'atteindre la bonne couche. Et quand je serai en haut là-bas, je sais pas si vous voyez, je vais refaire une vidéo pour voir un peu ce qu'il y a. Donc là, je sais absolument pas, je connais absolument pas l'endroit. Donc pour dire, là je suis dans l'Oise. Comme je devais y aller aujourd'hui, j'en ai profité pour trouver un petit gisement pas très loin de là où j'étais pour fouiller. Donc j'ai trouvé cette sablière. Et donc je vais voir ce qu'elle contient. Donc voilà, je suis un peu arrivé en haut, là vous pouvez voir. Et donc comme vous pouvez voir ici, quand on regarde un peu le sédiment qui est là, on voit qu'il y a des fossiles. Donc ici ce qu'on va trouver, ça va être des invertébrés, donc avec des bivalves et des gastéropodes, vous pouvez le voir ici. Donc là vous avez un cardium, là ça ressemble à une choritelle. Je sais pas si vous pouvez voir. Et donc, c'est ces couches qu'on va tamiser pour faire sortir un peu tous les fossiles qu'il y a, tous les invertébrés, tous les bivalves et gastéropodes qu'il y a. Donc c'est daté du Cuisien, je le répète encore une fois. Hop, je regarde un peu ce qu'il y a d'autre, ouais. Encore les bivalves. Donc là, je vais monter en haut pour voir ce que. Parce que je suis pas le premier à avoir fouillé ici. Et donc, là vous avez un puline. Je vais la garder parce qu'elle est belle. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je pars un peu dans tous les sens. Oui. Je disais donc que je suis pas le premier à avoir fouillé ici. Parce qu'on peut voir que d'autres personnes qui sont montées, qui ont fait des gros trucs là-bas. Il y en a d'autres qui ont fait là-bas. Donc je vais regarder un peu ce qu'ils ont fait. Et voir ce qu'il y a. Je regarde s'il n'y a pas des. Ils ont laissé. Regardez, ils ont laissé des gastéropodes. C'est du lourd. Hein. Là, vous avez le gros gastéropode. Donc, la couche dans laquelle il fouille, c'est là. Apparemment. Donc, on va pas faire dans l'originalité. Hein. On va taper dans les couches fossilifères. Et on va faire comme. Donc, celui-là, je vais les ranger déjà. Et après, il faut que je regarde un peu ce qu'il fouille aussi ailleurs. Allez, c'est parti. J'ai ramené la pioche, je t'ai mis. Donc, ça ressemble à une turritelle, je suis pas sûr. Là, vous avez encore d'autres cardium. Encore des turritelles. Là, malheureusement, il est abîmé. Là, vous avez cardium. Donc, c'est un peu ça. Je nettoierai à la maison pour vous montrer. Mais regardez un peu le résultat. Là j'en ai un qui est pas mal aussi, regardez, je le prends, oh là il est pas mal aussi celui-là, il est gros, hein. Regardez, il est vachement gros, oh, regardez là, regardez-moi ça, c'est une turritelle, une belle petite turritelle, plutôt grande hein. Hein? Et là, vous avez un bivalve. Une clavillite. Ça, c'est une clavillite. Ça, je reconnais, c'est une clavillite. Hop, je récupère aussi. Ah, là, il est. Hop. Ah, c'est pareil. Ça. Les bivalves, le problème, c'est que ça se casse hyper facilement. Quoi. Par contre, là, hop, regardez. Ah, peut-être une atticidée, ça. Peut-être une attica. Je regarde après au niveau de l'espèce. Donc ça c'est Cynatica, c'est un gastéropode prédateur qui va s'attaquer aux autres gastéropodes en les perforant. Donc ça c'est toujours bon à prendre, surtout vu la taille, c'est sympa. Allez, on continue. Mais on peut admirer la vue quand même, qui est plutôt sympa. La carrière en elle-même est plutôt sympa aussi. Peut-être un peu dangereuse parce qu'il y a les blocs, vous voyez, au-dessus qui sont tombés. Donc là-bas, vous voyez, il y en avait moins, donc j'ai moins de chance. Par contre, là-bas, je vais éviter de fouiller parce que les gros blocs au-dessus, ça me fait un peu peur. Hop, regardez, il y a un gros gastéropode. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on trouve quand même des grosses coquilles. Regardez les bivalves et le gastéropode en même temps. Ah, une clavillite là encore. Vous voyez?
Et là, hop, un bon petit bival. Donc, oh, regardez, une dent de requin, incroyable. Oh putain, je pensais pas trouver des dents de requin ici. Ah là, ça me donne envie de creuser. Oh, ça je mets de côté parce qu'une dent de requin, c'est... J'y attendais pas du tout. Je sais pas si vous le voyez, j'essaie de descendre un peu pour vous montrer. Ah, regardez, attendez, il y a plein de trucs en même temps. Regardez là, encore une dent de requin. Donc là, j'ai une couche à dents de requin, quoi. C'est énorme, je vais essayer de continuer un peu à creuser, mais pas trop parce qu'après ça va être dangereux. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai des dents de requin. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais j'arrive pas à savoir si c'est dans la couche à vertébrée ou bien d'une autre couche au-dessus ou en dessous. Ça, c'est dur à savoir. Je vais continuer un peu à creuser ici, mais pas trop parce que vous voyez, ça, après ça va tomber sur moi. Ça l'est encore un peu solide, mais je préfère pas trop que ça me tombe dessus. Sinon, ça risque de me faire mal. Mais regardez, encore une dent de requin. Plutôt pas mal, hein. Voilà, regardez. Ça aussi c'est beau, c'est gros. Oh, alors là je sais pas ce que c'est, mais c'est un morceau d'ossement, de tête de tortue. La vache, ce gisement est de plus en plus intéressant. Je m'attendais à voir que, regardez, pourquoi il est cassé, j'ai peut-être un autre morceau plus loin. Faut que je tamise tout là, vraiment. Bon, ça aussi il faut que je le mette à part. Ça c'est un morceau de gastéropode. Hop. Donc hop, regardez. Regardez, ça c'est peut-être le morceau de plaque de tortue.
Théropode, malheureusement pas en entier, c'est une turritelle apparemment, ouais, ça ressemble à une turritelle. Là, on a encore une autre, je vais la prendre. Là, vous avez un bon petit bivalve. Hop. Ah, elle est là. Encore une Attica. Déjà, ce qu'on peut enlever, c'est ça. Un bon gastéropode. J'en ai vu un autre tout à l'heure, une clavite. Ah non. C'est une clavite. Il manque la pointe, malheureusement, mais. Elle est plutôt grosse et sympa. Regardez un peu ça. Encore une turritelle. Regardez. Pas mal, hein? Ah, regardez une dinde requin encore. Eh ben, on en trouve quelques-uns. Regardez-moi cette dinde requin, elle est nickel. Elle est parfaite. Regardez. Une magnifique dinde requin. Alors là, il y a un truc qui est énorme. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'essaie d'éviter parce que là, j'ai encore du salade tamisé là. Regardez là. Je sais pas si vous voyez. Le gros truc là. Et là, faut que j'arrive à le sortir. C'est ça le problème. C'est que je sais pas comment il est gros. Je sais pas s'il est profond. Et donc, faut que je creuse au-dessus. Ah, bah je l'ai eu. Eh bah, je l'ai eu. Ah bah, c'est une grosse, soit naticidée, soit même plus une. Je voudrais plus ça décider là. Regardez comme elle est fat. Oh, on trouve des gros gastéropodes ici, n'empêche. Je m'attendais pas à des trucs aussi gros. Je crois que je l'ai répété, je sais pas combien de fois ça d'ailleurs. Mais je suis toujours impressionné par ça quoi. C'est la première fois que je trouve des gros gastéropodes comme ça assez facilement. Surtout datés du cuisinier, comme ça, c'est toujours intéressant. Regardez. Bon, un peu sale, quand j'en ai tourné, ce sera un peu mieux, je pense. Hein? Voilà, j'ai fouillé un bon gros tas de sable et voilà après tout ce que j'ai trouvé dedans. Donc là j'ai pris que les gros gastéropodes et les gros bivalves. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et ça vous donne à peu près une idée de tout ce qu'on peut trouver ici. C'est juste cette petite couche qui est assez fine, je vais vous remontrer là. Vous voyez, dans cette petite couche là qui doit faire quelques 10 cm, 15 cm, et ben on peut avoir des grosses concentrations de gastéropodes, bivalves comme ça, et des gros spécimens. Ce qui est plutôt intéressant. On a aussi alors des requins. Et de la tortue apparemment, donc je vais rentrer chez moi, là j'ai terminé, donc je vais rentrer chez moi, je vais tout nettoyer et je vais vous montrer une fois nettoyé ce que ça donne. Alors voilà, j'ai nettoyé enfin mes fossiles, je les ai laissés sécher. Et donc comme vous pouvez voir ici, voilà à peu près tout ce que j'ai trouvé. Donc je vous rappelle que j'ai pas pris tous les petits bivalves et gastéropodes parce que sinon là je m'en sortais plus et le temps que je traite tous ces fossiles, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc j'ai pris que ce que je trouvais de vraiment gros et plus intéressant. Donc voilà un peu l'état. Donc là vous avez les turritelles avec là les salanderies, turritelles à salanderies. Au niveau des vertébrés, on va commencer par les vertébrés parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc là vous avez la plaque de tortue qui est constituée à peu près comme ça normalement. Voilà, là vous avez la plaque de tortue, donc il manque deux morceaux là. Bon, ça peut arriver, mais bon, je sais qu'il y a des plaques de tortue donc je pourrais toujours en chercher. Là vous avez toutes les dents de requin, j'en ai trouvé 4 au total. Et une petite juste ici, là. Là, vous avez toute la partie bivalve avec... là, c'est des vénéricores, si mes souvenirs sont bons. Donc, j'espère en trouver la prochaine fois encore des plus grosses que ça. Là, vous avez... alors là, il doit y avoir des naticidés et peut-être des ampullines. Ça ressemble plus à une ampulline qu'à une naticidée. Donc, faut que je confirme. Faut vraiment que j'identifie tout ça, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Donc là à peu près vous voyez, hop, là vous avez les cycostomas, là je sais plus ce que c'est, faut que j'identifie, c'est le seul spécimen que j'ai réussi à trouver. Là pareil, cycostomas, là vous avez d'autres gastéropodes, là vous avez les huîtres, celui-là je sais plus comment il s'appelle, faut l'identifier aussi. Hop, et là nous avons tout ce qui est clavilite. Donc voilà à peu près le résultat, donc c'est un très bon gisement je trouve quand même, parce que je pensais pas avoir des gastéropodes bivalves aussi gros. Et surtout, je m'attendais surtout pas à trouver des restes de vertébrés, donc tortues et requins. Donc ce gisement j'y retournerai sans doute. La prochaine fois j'apporterai plus de matériel pour pouvoir creuser plus facilement et dans des meilleures conditions. Donc peut-être aller au-dessus des couches. De la couche et de creuser au dessus et faire une tranchée pour que ce soit moins dangereux pour moi, parce que là ça peut être dangereux si ça me tombait dessus. Et sur ce je termine cette vidéo sur cette présentation de ce que j'ai trouvé.
J'essaierai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après de retourner fouiller sur d'autres terrains, donc je vais voir lesquels. Et sur ce, je vous dis à plus!